Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui, on va parler de perte de poids pour pas changer. Donc on va parler de perte de poids, non mais sérieusement. Avant toute chose, avant tout, je vous demanderai à tous ceux qui me suivent de m'ajouter sur Instagram. Mon Instagram, c'est juste fit. Vous arrivez sur mon Instagram, vous pouvez piocher un sujet qui vous intéresse, voir la vidéo. Et puis ça va vous booster, ça va vous motiver, et ça va mettre à jour un peu votre cerveau. Je me sers de mon propre Instagram pour me booster moi-même, pour vous dire. Donc c'est avant tout un Instagram de motivation, fitness et perte de poids. Les vidéos durent moins d'une minute. Et là, vous avez un concentré des réflexions que j'ai. Et ça peut vraiment vous booster dans votre vie et dans votre perte de poids. J'ai un t-shirt Sangoku. Alors, faut savoir pour la petite anecdote que ces t-shirts-là, je les ai achetés il y a un bout de temps et c'est des t-shirts que je ne pouvais pas porter parce que mon bide était trop gros. Maintenant que j'ai perdu du poids, je les reporte, je sors avec, je sors en Sangoku, bientôt je sortirai en Captain America, etc. Aussi pour vous dire que en très peu de temps, vous pouvez aussi porter des vêtements que vous ne portiez pas avant et être beaucoup mieux que vous n'étiez avant. En quelques mois, moi j'ai eu ma transformation en un mois, vous ce sera en un mois, ça peut être en un mois et demi, tout ça pour dire que ça va beaucoup plus vite que vous ne croyez. L'été approche, c'est dommage de se priver de ce bel été et de se dire ouais, je peux pas mettre cette jupe, je peux pas mettre ce pantalon, je peux pas mettre ce t-shirt, je peux pas mettre ce pull, je peux pas montrer mon ventre. C'est vraiment dommage lorsqu'on sait qu'en faisant quelques efforts et pour 2 francs 3 sous, on peut avoir le physique qu'on souhaite ou du moins un physique beaucoup plus attrayant que ce qu'on a déjà, surtout avec le confinement qui a pas arrangé les choses. Voilà, il faut vraiment se prendre en main. Cette vidéo-là, elle va porter sur la perte de poids et sur le coaching. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. À l'heure d'aujourd'hui, surtout avec le coaching en ligne, un coaching, ça vaut rien du tout. Franchement, ça vaut rien du tout par rapport à moi, ce que je fais en direct et tout, lorsque je suis en one-one et que je dois me déplacer je ne sais où. Franchement, ça vaut rien. Ça veut dire que maintenant, pour rien du tout et avec des commodités impensable. Avant, je donnais des cours sur Paris, c'est-à-dire que les gens, il fallait qu'ils se déplacent sur Paris pour venir prendre leurs cours et ils se déplaçaient et ils avaient leurs résultats, mais il fallait qu'ils se déplacent, c'est-à-dire qu'après le boulot, boum, il fallait qu'ils aillent prendre leur sport, après ils rentraient chez eux et faire à bouffer, après ils dormaient, vous voyez, c'était tout un bordel. Maintenant, le sport, il vient directement chez vous. Vous avez vos entraînements chez vous, on s'entraîne ensemble en live, je vous corrige, etc. Et ça coûte 3 fois rien. Franchement, c'est de la balle. Il n'y a plus d'excuses, quoi. Franchement, les gens qui n'ont pas la chèvre, qui veulent, c'est de leur faute. Au contraire, c'est de leur faute parce que c'est plus une question d'argent, c'est plus une question de temps, c'est plus une question. Vous voyez, tout est simplifié. Donc, c'est les gens qui veulent partir en vrille et c'est les gens qui veulent vivre comme ça. Et puis voilà, ils sont contents avec une shape approximative. Mais ça, c'est leur problème. J'espère que vous ne faites pas partie de ces gens-là et que vous saurez saisir l'opportunité que nous offre 2020. Que vous allez vous prendre en main, vous allez vous faire coacher, j'espère par moi, hein, et voilà, et que vous y alliez, quoi, parce que ça déchire. Je vois pas mal de gens, notamment sur Insta, qui sont en train de faire des programmes et tout, qui font de la perte de poids, donc ils vont un peu à gauche, à droite, ils suivent un truc, ils font un training par-ci, un training par-là. Et effectivement, il y en a qui ont quelques résultats. Mais j'aimerais vous apporter une notion essentielle. C'est que le corps a une mémoire. Cette mémoire, au fil du temps, cette mémoire, elle a été altérée. Si vous n'avez pas le physique que vous voulez avoir, c'est que cette mémoire a été altérée. Si vous voulez la meilleure garantie pour avoir une belle shape et pour pouvoir garder la shape le plus longtemps possible, voire définitivement, la meilleure garantie, c'est de pousser. De pousser le corps, parce que en poussant le corps, vous allez changer sa mémoire. En gros, vous allez reprogrammer le corps. Il n'y a pas que le cerveau, il n'y a pas que votre psychologie qui est un programme. Votre corps a aussi un programme, vos cellules ont aussi un programme. Donc, vous avez deux adversaires. Il va falloir aller plus loin que votre cerveau et aller plus loin que votre corps. Donc, c'est super dur. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Même quand on fait des progrès, eh ben, ces progrès peuvent être insuffisants par rapport à ce qu'il faut pour réellement arriver là où on veut arriver. On a tous des corps magnifiques, il faut juste les travailler comme il se doit. Et vous pouvez tous arborer un physique magnifique à votre niveau. Vous pouvez avoir un physique au top de ce qu'il peut être pour vous et ça, c'est largement suffisant. On ne vous demande pas d'être comme je ne sais quelle Miss ou je ne sais quelle Fit Girl. Mais si vous êtes bien dans votre corps et que vous avez le corps que vous voulez, que vous pouvez porter ce que vous voulez, la Miss a fait sa vie. La fit girl a fait sa vie, mais vous êtes juste avec vous et vous êtes en accord avec vous. Alors pour avoir ça et pour pouvoir le garder, dites-vous qu'il va falloir reprogrammer votre cerveau, il va falloir reprogrammer votre corps et vos cellules. Et pour reprogrammer tout ça, il va falloir aller plus loin que ce que vous pensez devoir faire. Aller plus loin que ce que vous pensez même être possible d'aller. Et ça, c'est le rôle du coach. Ça, c'est mon rôle. C'est mon rôle de sentir les choses et de vous driver pour que vous puissiez aller dans ces contrées qui vous sont inconnues. Si vous voulez changer votre physique,
il va falloir changer vos habitudes, il va falloir changer votre programme. Mais changer son programme tout seul, c'est super dur. C'est super dur de changer son programme tout seul. On le change un peu, mais après ça revient, on change un peu, oh, ça revient. Non, il va falloir vraiment aller au fond, il va falloir aller dans une zone, on appelle ça la zone d'inconfort. Il va falloir aller dans la zone d'inconfort et réussir à être à l'aise dans la zone d'inconfort. Et lorsqu'on est à l'aise dans la zone d'inconfort, il va falloir aller dans l'autre zone qui est en dessous, qui est encore plus inconfortable, qui est la nouvelle zone d'inconfort, être à l'aise, etc. Donc il y a des couches. Et tout seul, c'est chaud. Pourquoi croyez-vous que tous les champions, ils ont des coachs? Pourtant, ils sont forts, ils ont des super physiques, ils ont des super performances. Et malgré tout, s'ils veulent être champions, il leur faut un coach. Parce qu'il faut qu'ils soient au top, au top, au top du top. Et pour ça, il faut qu'ils reprogramment leur corps. Et pour ça, ils ont besoin d'un œil extérieur. Soi-même, on n'a pas le recul pour voir les choses. On n'a pas le recul, on n'a pas forcément le courage et on n'a pas cette objectivité. On n'est pas objectif. On est parfois trop permissif avec soi-même. Et c'est là où intervient le coach, c'est là où moi j'interviens, là où je vais vous dire, ah là, ça va pas. C'est comme ça. Et là, vous allez vous indexer par rapport à ce que je vous dis. Et ce que je vais vous dire ira à l'encontre de ce que vos cellules diront. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va se reprogrammer, votre cerveau va se reprogrammer et vous allez avoir un esprit et un corps totalement différent de ce que vous devriez avoir parce que tout a été reprogrammé. Mais parfois, on a besoin d'une aide extérieure pour aider à la reprogrammation. Vous vous donnez l'impulsion, vous dites voilà, ok, moi je veux y aller, aide-moi, moi j'arrive, je vous aide. Au fur et à mesure, c'est moi qui vous drive, c'est moi qui... C'est comme si vous externalisiez cet effort, c'est-à-dire que l'objectivité et le suivi, vous dites voilà, je délègue, parce que moi je suis pas objectif, je délègue. Et là vous avez, parce que j'arrive comme un consultant et j'observe, ok, là ça va pas, là ça va pas, là ça va, là faut que tu pousses ici, là faut quand tu travailles comme ça, ta 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 ta. Pendant un moment je vous laisse, vous travaillez, vous dites oh c'est bien, tout d'un coup je vous dis allez hop, maintenant on va pousser un peu, là tu passes à ça. Ah ouais? Ah là tu dis non, c'est pas possible, si c'est possible. Et après tu le fais. Et à force de faire ces choses que vous auriez pas l'habitude de faire, être pris à contre-pied, être remis sur les rails, eh ben c'est ça qui va faire que vous allez filer droit et que vous allez avoir quelque chose que vous espériez même pas avoir. Et tout ça pourquoi? Pour 2 francs 3 sous. Parce que comme je vous dis, grâce au coaching en ligne, maintenant ça vaut rien. Ça vaut rien. Je fais un forfait au mois. Ouais, c'est à peu près le prix de ce que je faisais pour une heure. Les gens payaient approximativement pour une heure ce que vous allez payer en un mois avec un coaching avec moi. Or qu'il y a 4 cours par semaine. Vous imaginez? Vous vous entraînez 4 fois par semaine, d'accord? Vous êtes suivi et vous payez le prix d'un cours. Mais il n'y a pas photo. Enfin, il y a un moment, voilà. Et c'est le jour et la nuit, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, comme je vous dis, les gens qui veulent avoir une shape approximative, un physique approximatif, c'est de leur faute. Mais ne soyez pas comme ces gens-là. Vous, prenez-vous en main. Ça coûte rien. C'est super efficace et vous allez avoir des résultats que vous n'aurez jamais espéré avoir. L'été approche, pensez-y. Pensez à vos jupes. Pensez à vos shorts, pensez à vos maillots de bain. Ça arrive, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ok? Allez, see you. Ciao, ciao.